Salut à tous les mecs, j'espère que vous allez bien, c'est Léo et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Les amis, regardez cette vidéo en entier, vous allez pas le regretter. C'est vraiment une exclusivité de ouf, enfin, franchement c'est un truc que j'ai jamais vu sur YouTube. Ça va être une vidéo de malade. Passez à tous une bonne vidéo, je vais vous présenter le produit qui est juste là, qui m'a été envoyé par la marque Nanrobot. Voilà, les liens sont en description si vous voulez en profiter. Je ferai bien sûr un test plus détaillé, mais je voulais vraiment vous la montrer. Et bah il y avait une petite vidéo qui a été faite d'une petite sortie dans la forêt, voilà, avec des grimpettes et tout mon pote, t'as vraiment l'impression que t'es en cross avec ça. Déjà tu vois la taille du bestiau, tu sais à quoi tu peux t'attendre. Passez à tous une très bonne vidéo si vous voulez les specs tous en détail pour vraiment que je vous fasse une vidéo présentation, parce que là c'est vraiment moi je te fais la vidéo test avant la vidéo présentation. Et si tu veux une vidéo en GoPro avec le casque pour qu'on teste la VMAX, je vous fais ça à 3000 pouces bleus les mecs. Voilà, en tout cas, passez à tous une très bonne vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, il y a 80% des gens qui regardent les vidéos qui sont pas abonnés, c'est-à-dire que si tout le monde s'abonne, demain on en a 200 000 mon copain. Je te laisse sur la vue de ce bolide, c'était Léo, ciao ciao. J'ai peut-être oublié de préciser les amis, mais oui cette vidéo elle était vraiment à l'arrache. Mais bon, ça me fait kiffer de vous la sortir parce qu'en vrai elle est cool. Si vous kiffez vraiment ça, moi ce que je vais faire c'est acheter une petite caméra 360, la mettre sur la trottinette en 360. Je me balade dans la ville, la nuit vous allez voir il y a un éclairage de taré. Là on va pas le voir dans cette vidéo parce que c'est la journée, mais il y a un éclairage de taré, c'est une trotte de malade mental vraiment. Vous avez jamais vu ça, c'est sûr et certain. J'ai même pas les mots, c'est un engin de guerre. Quand je vous dis que c'est un engin de guerre, c'est un engin de guerre. Ça peut manger toutes les voitures au départ arrêtées. Et ça, c'est pas une blague. Allez, sur ce, passez à tous une très bonne vidéo. Salut les mecs, j'espère que vous allez bien. Bon, aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo assez extraordinaire. On voit pas ça souvent. Aujourd'hui les mecs, j'ai sorti le nouveau bolide. Bon, j'espère que la GoPro, ça ira. J'essaye de faire ce que je peux au niveau du cadrage, hein, mais c'est pas toujours évident. Normalement, si je passe là, ça va. Ok, ouais, c'est bon. Aujourd'hui les mecs, j'espère que tout le monde va bien. Hop, allez, nouvelle vidéo assez originale avec un nouveau gamos, un nouveau petit bolide. Normalement la GoPro ça va, je pense que c'est assez penché, je vais essayer de lever ma tête, de bouger frérot. Les gens frérot, regarde comment ils sont choqués frérot, ils sont choquâtres. C'est vrai que c'est étonnant, on voit pas ça tous les jours. Et un truc qui marche autant. Hop, allez, tu vois là, on est déjà à 80. Et on va essayer de pas guidonner, hein, j'ai pas envie de mourir. Bref les amis, j'espère que vous allez bien. Il y en a qui sont de nouveau en vacances. Il y en a, bah moi j'étais la première zone en vacances. Donc je pense que bah ça y est, on va retourner à l'école lundi. Et après il y en aura encore qui vont tomber en vacances. Fin de semaine, donc il y en a ils auront encore 2 semaines de vacances. Mais bon, voilà c'est le jeu, c'est le jeu. Dites moi ce que vous préférez vous être entre la première zone ou la dernière zone. Nous on va directement se diriger vers le terrain préféré de la trottinette. Hop, vraiment regardez la vidéo jusqu'au bout les refs parce que c'est un truc de ouf et vous allez être vraiment étonnés de la puissance du bordel. Et après je vous ai fait des petites grimpettes, des grimpettes de Terry frérot. Si vous connaissez Kikaninak, vous voyez les genres de grimpettes, je vous ai fait la même avec la trottinette pour vous dire à quel point c'est un bordel sur roue. Ah non, moi c'est la guerre frérot, les trottinettes, j'adore. J'adore la sensation de l'électrique, c'est... Oh bordel. Tu vois, faites pas des trucs comme ça. Mais là, je vois que dalle en plus, j'ai la visière teintée. Ouh là là, ça va être du sport cette vidéo. Si vous aimez ce genre de petites vidéos, une fois que vous l'aurez vu, bien sûr, vous mettez en commentaire. Ouais, je kiffe. Ou juste vous mettez un petit pouce bleu. Et moi, je vous ferai les mecs des genres de départs arrêtés. Avec pourquoi pas des voitures ou des motos même pour vous montrer. Parce qu'en vrai, c'est le kiff. Genre, tu sais, 2-3 petites vidéos par mois en électrique, c'est le feu. La fourrure entretenue électrique, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie, bien sûr. Ça arrivera en thermique très prochainement. J'ai reçu, voilà, vous le savez très bien, je dois changer de bécane. J'ai peut-être reçu, ouais, je dis rien, je dis rien. Aujourd'hui, on a avec ça, le petit bolide que je vais vous présenter dans la vidéo. En fait, là, je vous fais une genre de grosse intro. Et après, on part directement au Terry. J'étais avec un pote et tout, lui aussi avec un gros bolide. Vous allez kiffer, en vrai. Mettez-moi en commentaire ceux qui ont déjà essayé ce genre de trottinette. Pas les petites trottinettes à 25, hein. Ça, on s'en fout, c'est pas drôle. Mais ce genre de gros gamos qui monte à des vitesses astronomiques. N'hésitez pas à me dire en commentaire, je suis curieux de savoir ça. Et puis, pourquoi pas, hein, faire d'autres vidéos avec le jouet. Oh putain. Oh, j'ai failli partir. Quand tu perds l'avant en moto, bah là c'est pareil, mais tu perds l'avant en trottinette. Là, une racine frotte, tu meurs, je suis à 41. Tu vois, dans la forêt, normalement, ton petit vélo avec tes pédales là. Là, non, frot, tu pars sur de grandes choses. Oh là là. Ah non, c'est une dinguerie. Et là, dites-vous, j'ai qu'un moteur d'activé. Hein. Si je mets les deux, c'est la guerre. Et vraiment, ça passe où tu veux. Toi t'arrives à 70 frérot au rond-point, t'as des freins hydrauliques qui freinent une tonne, ça marche trop bien. Et là tu peux repartir là.
Je sais pas si vous allez voir le compteur, mais là 70, 75, 80 limite. Alors vas-y, on va le laisser avancer. Mais là tu vois, je peux lui mettre une mine à tout moment, genre là je m'en vais. Sauf que lui, il me suit pas. Ah, si lui se décale, il y a moins je l'envoie à l'EHPAD d'une vitesse, frérot. Hop, regarde l'Audi. Ça sert à quoi d'être en cabriolet? Moi je suis en trottinette, frérot. Et voilà, tu vois, là on vient de tous les fumer. Ils vont rentrer chez eux, ils vont taper sur internet trottinette électrique qui arrache. Tu vois, quand t'as un mode sport sur une voiture, ici le mode sport c'est le mode de moteur. Tu cliques sur le petit bouton rouge, encore je me mets même pas en turbo parce que sinon ça arrache. Regardez, je vais vous montrer un truc assez drôle. Mettez ici, deux moteurs. Et là j'ai fait que de patiner sur 30 mètres, c'est beaucoup trop drôle. Nouvelle technique de passage, hop. Et voilà, et là tu traces. Oh. T'as aucune adhérence, c'est beaucoup trop drôle. Et dès que je vais savoir gérer, je vais te la mettre en travers sur les chemins, ça va être beaucoup trop drôle. Et ce qui est trop bien, c'est que niveau bruit, bah t'as rien, t'as aucun bruit. T'aimes pas le bruit, t'as que le bruit des pneus. Et en vrai, le bruit des pneus, comment il est satisfaisant. Oh mais j'adore, tout le monde te regarde, t'es la star. Je te jure, avec ça, t'es le Cristiano Ronaldo de la route. Lui, il a un jeune A, je peux le traumatiser au volant de sa polo. S'il veut jouer, ça peut être beaucoup trop drôle. On va garder une distance, il veut mettre un vieux coup de frein à main. J'ai pas envie de repayer son pare-choc. Et ouais, y a de la reprise, mon coco. Je te suis, hein, t'inquiète pas. Là, vous êtes en vue POV. Les mecs, aujourd'hui, on va sortir le monstre. Je l'ai pas encore présenté. C'est parti. Test de la méga bécane après la vidéo présentation que j'ai pas encore faite d'ailleurs. Là, c'est off-road, c'est son milieu favori. Là, on a la marque française. Là, on a le chinois. Ça va être bien drôle. Bon, allez, on est parti. Tu passes devant moi, du coup, on te filme. Il va faire à droite, mais moi, je fais à gauche, moi. Hey. Oh, comment ça passe crème. J'espère que ça filme bien les mecs. Bon là pour l'instant j'ai mis qu'un moteur avec le mode 3. J'ai 27 modes à mettre mais j'ai pas encore tout compris. C'est la première fois que je viens ici hein, donc si on bombarde pas direct vous comprendrez pourquoi. Mais ici c'était un bon spot pour s'amuser. Donc je pense qu'on va être pas mal. Ouh là là, petit passage. J'espère qu'il y aura pas trop de vent, j'ai pas mis de micro. Donc je vais essayer de parler un peu plus fort. Ah ouais attends, c'est Koh-Lanta ici pour passer. Parce que je sens qu'il y a quand même un peu de vent. Wow bordel. Là c'est le terrain pour tester une trottinette off-road hein. Petit saut à faire. Là j'ai mis les deux moteurs. Vous voyez que quand il y a les deux moteurs, c'est la guerre. Hop les petits sauts là, ça passe crème là. Il prend l'intérieur, je prends l'extérieur. Oh putain. Aïe aïe aïe. Là c'est la grimpette. Eh, ça pose même pas le pied sur la grimpette. Eh. Là on est pas mal là. Ok, là on arrive dans un terrain de jeu. Pour les grosses roues ça va être cool. Oh putain. De toute façon si lui il passe. Moi. Ah bah non, moi j'ai frotté là. Mais si lui il passe normalement moi je passe. Hop les. Donc lui, sa trottinette, je serais pas à vous dire pour les connaisseurs combien ça fait en watts, moi non plus d'ailleurs, je sais pas. Ah ouais là c'est stylé là. Là moi je vais mettre les deux moteurs là, on va faire un truc, on va essayer de faire un saut sans mourir. Allez go. Sauf qu'avec les deux moteurs en fait, ce qu'il faut gérer, c'est qu'il y a beaucoup trop de puissance, regardez. Là comment ça fait que de patiner. Là c'est son terrain de jeu là. Là c'est ce pourquoi elle a été conçue. Oh le petit bout de métal fou. Ah bah là je suis baisé là. Après on vous fera des pointes sur la route pour vous montrer un peu. Là je vais vous faire un jeune départ arrêté. Vous allez voir jusqu'où ça patine. Attention. Ah ouais. Bon les mecs re. Alors normalement là j'ai bien re-incliné comme il faut la GoPro comme un porc parce qu'elle était trop haute. Donc en vrai là vous devrez bien voir le guidon et du coup le compteur. Parce que c'est ce que vous avez pas vu sur les premiers plans. Allez là on est reparti. Après s'être battu avec les méchantes araignées. Donc là normalement vous voyez le guidon. C'est assez incliné je pense. Voilà je pense que c'est bon. Du coup de toute façon vous inquiétez pas, on refera le chemin après. Et vous allez tout voir. Là on arrive dans les chemins un peu moins bas. Ouais. Il y avait un arbre. Un arbre. Moi je vais me battre sur des araignées encore.
Wow, je suis choqué, ça l'a fait tranquille. Oh putain, le bordel. En vrai, toi, tu passes. Moi, je pense un peu. Ça passe. Oh sa mère. Là. Ouh. Je suis choqué comment ça marche plutôt bien. Ça accroche en vrai. Bon après j'ai les pneus enduro. Ouais par contre là ça perd trop. Ça perd trop, ça patine trop. Celle-là là, faut pas abuser, je suis pas non plus suicidaire. Allez. Comment ça débloqué? J'ai pas assez de grip. Oh putain, comment on va faire? La jeune chenille. Il y a 50 chenilles là, ils savent pas sur quoi ils... Oh bordel, sur quoi elles sont montées hein. Bon les mecs, j'ai rechecké, normalement là ça filmait super bien. Du coup j'espère que j'ai pas tout bougé. Mais en tout cas, j'espère que vous kiffez les petites sorties comme ça. Bon après on pourra en faire sur la route hein. Wall. Ah là il est à fond sur les freins il dit. Moi là je freine. Putain j'ai avalé une chenille. Oh le saut. Ah ouais, ça c'est beau, ça c'est beau. Oh là 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 là. Lui prend les chemins les plus faciles. Il veut prendre les chemins les plus simples. Voilà, faut pas rouler à 50 ici, frère. Oh, 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 oh. Ouais ça arrache. Ah non ça. Et voilà. Allez dans le lac. J'ai vraiment cru qu'il allait nous la faire par contre. On me dit il oublie de freiner. Oh, oh sa grand-mère. Oh 60. Oh là là, oh là, oh là. Oh lol, t'as fait n'importe quoi, ça va? Oh vite, comment, ah, comment t'as même pas levé? T'as levé? Oh putain. Donc là en fait, il pense qu'il est devant moi. Bon là je suis encore en mode 1, mais là je vais activer le mode et... Salut! Regardez, regarde, je vais faire la course. Oh, yeah, yeah, yeah. Oh, c'est un ouf. Bon les mecs, j'espère que vous aurez kiffé la vidéo. Ah, je commence la vidéo. Enfin, je finis la vidéo là où je l'ai commencé, c'est drôle. Ah, on va te faire un saut là. 81. Bon, et sur ce les mecs, on se laisse là. À la prochaine pour une prochaine vidéo, j'espère. Puis voilà, c'était Léo. À la prochaine, ciao ciao, goodbye. Prenez soin de vous. I'm about to write a hit, man. About to write a hit. No, I'm never gonna quit, man. Never gonna quit.